bulgare qui habite en France et depuis 4 ans j'ai décidé de faire des cours de langue bulgare en France. Je propose ces pages autochtones, Méonique, Maroud et Robin. À côté des cépages internationaux, j'ai des assemblages mévrocabernet franc cabernet sauvignon, sont des mévrocs très anciens volcans, Syrah. Si vous préférez les pages, vous les très chargées en tanin, oui. Pour celui-là, sinon, celui-là c'est la même cépage, mais sur l'argile au calcaire, qui est plus pour en bouche, qui est plus frais, qui se boit plus facilement. Comment sont-ils alors avec quelque chose de court en bouche? On va pas commencer directement avec quelque chose de très tannique. Bien sûr, il faut commencer plus léger les tanins et après on augmente le tanin. Mais c'est question des goûts, parce que c'est vrai que votre palais n'est pas éduqué avec le cépage bulgare. C'est surprenant. Ouais. Il domine un peu des cerises. Hein, ouais. Je vais faire la deuxième. La deuxième, c'est la même cépage, mais sur l'argile au sablu. Il a deux vins en chêne et le vin il est non filtré. Et ça, c'est un cépage qui est préféré des Churchill. De Churchill? Ouais. Je vais laisse déguster. Il aimait les choses fortes, Churchill, quand même. Exactement. Je vais laisse déguster parce que après, vous pouvez comprendre pourquoi il a apprécié autant. Il apprécie bien parce qu'en plus il y a des. Celui-là c'est le vin préféré de chef de Similiani, ancien chef de Similiani Gresco Lionel Compan. Oui. Après j'ai celui-là qu'il appréciait beaucoup, l'ancien formateur de sommelier à Lyon, Jean-Pierre Barret. Ils sont bien appréciés parce qu'ils sont différents et ils sont bien faits aussi. Les boutiques ne le parlent qu'en prêt. Je fais l'expédition par demande avec la DELU. Oui. Voilà. Donc la cave trace. La cave trace. Il faut demander donc Zlatka. Voilà, Zlatka. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour l'accueil en tout cas. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.